Salut les amis et bienvenue dans mon atelier. Alors, quand on veut se lancer dans l'aventure YouTube, il y a quelques difficultés à devoir surmonter. Première difficulté, je dirais qu'il faut trouver un thème. Alors, pour ma part, ça n'a pas été terriblement compliqué. J'avais un atelier, des machines, la passion du bois, donc le thème était tout trouvé. Alors, deuxième difficulté, je dirais le matos. Avec quoi filmer, quel micro choisir, quel éclairage. Et là, tu passes des heures sur YouTube à regarder des tutos sur la vidéo. Et tu as des youtubeurs qui vont te dire que tu seras le prochain Spielberg en utilisant la caméra de ton téléphone. D'autres vont te dire qu'il faut absolument un réflexe Canon 5DX Mark 7 à 8 000 € pour tourner des vlogs ou sinon ça n'ira pas. Enfin, tu fais la part des choses et tu t'achètes le matos par rapport à ton budget. Bon alors, le thème c'est fait, la caméra, le micro, la lumière c'est fait, le programme de montage ça n'a pas été facile du tout mais c'est fait, et le nom de la chaîne, ça par contre c'est parfait. Alors, autant pour le thème et le matos, j'ai eu facile, parce que c'est concret. Une caméra, c'est quelques réglages, on appuie sur le bouton rouge, ça filme, on appuie une deuxième fois sur le bouton rouge, ça filme plus. Mais le référencement YouTube, l'algorithme, ça, c'est pas concret. Je le vois pas, je ne connais même pas son existence. Et pourtant, c'est une chose essentielle. Alors, pour choisir le nom de ma chaîne, la seule chose que je pense, c'est d'avoir un nom de chaîne cool et sympa. Donc, comme je regarde beaucoup de vlogs sur YouTube, eh bien, je me dis que mettre vlog dans le nom de la chaîne, ça pourrait être bien. Et comme je travaille le bois, je choisis Wood. Et donc, le nom de ma chaîne, Wood Vlog. Deux noms extrêmement populaires. Ce qui fait que le nom de ma chaîne est complètement noyé dans tout YouTube. D'ailleurs, on ne retrouve absolument pas ma chaîne. Alors, on trouve facilement le Fafa des bois, la palette des bricoleurs. D'ailleurs, allez checker leur chaîne, ils sont super cool. Et si vous recherchez Wood Vlog, eh bien vous remarquez que la chaîne n'est pas dans le site que je suis. Alors j'en ai bien sûr parlé avec mes collègues youtubeurs, et la meilleure solution serait de changer le nom de la chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne changerait pour vous, on continue l'aventure sans aucun problème, mais sous un autre nom. Alors j'ai pensé à mon chaîne, je pensais à l'atelier de Jérôme. Je dis toujours bienvenue dans mon atelier et je m'appelle Jérôme. Donc je trouvais ça intéressant. Donnez-moi dans les commentaires des suggestions de nom de chaîne et dites-moi si vous aimez l'atelier de Jérôme. Et s'il y a des experts de YouTube qui regardent cette vidéo, mais n'hésitez pas à me donner un petit coup de main. Bon, et bien voilà, c'était une courte vidéo, mais très importante pour l'avenir de la chaîne. N'hésitez pas de m'aider dans les commentaires en indiquant les idées que vous avez pour le nom de la chaîne. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao!